Bonjour à tous et on se retrouve pour cette petite partie du tournoi Bonsoir. D-Day. Je suis accompagné ce soir de Monsieur Buddy. Bonsoir à tous et à toutes. Et je suis moi-même Monsieur Mithyriath, il paraît, puisqu'il Le faut se général, présenter. le seul, l'unique. Nous allons caster, commenter une partie qui opposera ce soir les Cassos vs la LDA. Une Les partie cacas, les 3v3 sosos. du premier tour qui opposera Erek, Taurus et Matrix, qui font partie des Cassos, contre les LDA, Cobalt, Siegefroy et Defenders. Je charge de ce pas le ralenti. Et big up à Teuteux qui ne lâche rien et qui reste avec les bros. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur. Ça nous va droit au cœur. Pas Et comme le nous sommes du coronavirus, coup hein. sur Outre-Rhin. Je vous laisse faire la petite présentation un peu des joueurs axés de leur commandant, s'il vous plaît. Axe. Alors. Du coup, Taurus a comme commandant stratégie des forces terrestres de la Luftwaffe, stratégie de percée et nous avons stratégie de fortification. Donc, de ce fait, il va jouer Oka. À ses côtés, il aura son collègue Matrix qui va jouer Oka aussi, avec la stratégie de Furstorm, la stratégie de grande offensive et la stratégie des opérations spéciales. Et pour terminer, nous avons la Wehrmacht avec comme commandant stratégie d'assaut, stratégie de réserve stratégique et alors pour finir stratégie des blindés Jäger. Parfait, mon petit buddy. J'étais en train de montrer, pendant que tu citais ça, les petites affiches des commandants pour qu'on puisse voir. J'en profite pour augmenter la taille du UHD pour qu'on puisse voir quelque chose. J'enlève vos brouillards de guerre et je vais faire commencer le décompte. Alors, fais attention, je suis déjà à 2 secondes, donc je vais partir de 2 secondes. Alors, 2, 3, 4, 5. 6, On peut déployer des 7, grenadiers d'assaut sur 8, le champ de bataille 9 à présent. et 10. Nos grenadiers Parfait! d'assaut attendent vos Voilà, ordres moi pour du se coup je vais faire la déployer, commandant. présentation des alliés vu que tu as fait ceux de l'axe. Donc on a ce côté-là tout en haut, on a les LDA avec Defenders qui est russe Détruire et qui a quelque directement chose. choisi son commandant avec le commandant pré-bail. Nous avons deux. À sa gauche, un petit Brit, Cobalt, qui n'a pas encore choisi ses commandants, mais qui a les régiments d'assaut pré-bail, régiments d'assaut Section mobile d'infanterie et entraînée est régiments prête. d'opération première ligne. Et encore à sa gauche, encore un soviétique, Siegefroy, avec le petit commandant coordination tactique motorisée de la garde, les tactiques de front du fusil de choc et tactique d'assaut blindé. C'est parti! Alors, cette carte, on a Unité de mitrailleuse l'essence en lourde haut prête. Moi, pour je me souviens l'équipe d'un qui est moment en haut mémorable et avec. l'essence en bas pour l'équipe qui est en bas. Pour l'anecdote, c'est une des maps avec laquelle j'ai fait une inter sur COH France avec Teuteux. Et on s'est pas mal débrouillé du côté gauche de la map. On était axe aussi. Et voilà, on a gagné. C'est tout. Bah écoutez, très bien. Ça fait toujours de gagner, toujours plaisir de gagner ces parties. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a Unité de choisi? Je vois mitrailleuse qu'on a lourde choisi aussi prête. déjà à côté REC, on a choisi un commandant aussi. Stratégie de réserve stratégique, donc les grenadiers d'assaut. C'est pour ça bien sûr qu'il a choisi dès le début, parce que c'est des troupes qui sortent au début, qui sortent à zéro. Est-ce qu'on a choisi d'autres commandants? Matrix qui a choisi le commandant stratégie d'opération spéciale avec le panthère de commandement et les fusées éclairantes qui sont pas mal, parce que les fusées éclairantes tu les mets où tu veux, t'as pas besoin d'avoir de vue et ça te fournit pas mal En tout de cas, très reconnaissance. bien joué de la part de l'axe, aussi bien à gauche que à droite, qui arrive à contourner les MG. À gauche, il a réussi à en faire vacune. Du coup, il peut pusher relativement haut. À droite, ça a l'air de bien se passer aussi. Surtout Exactement, avec les du coup, grenadiers d'assaut, comme hein. tu dis, un bon départ du coup de l'axe, vu qu'ils ont réussi à prendre finalement les deux essences. Bon, après, c'est sûr que les grenadiers d'assaut, pour les utiliser régulièrement, c'est quand même une infanterie relativement forte au début de partie. À condition de les amener à courte portée.
Oui. Bon, c'est sûr qu'ici, sur une map aussi ouverte, qui est favorable au MG, il va peut-être avoir quelques problèmes. Comme là, par exemple, où concrètement, au niveau de la distance, C'est vrai c'est qu'il peut y vite avoir punitif, hein. quelques. Donc, si tu n'arrives pas à t'approcher, il peut y avoir des soucis. Mais par contre, si tu arrives à contourner. Alors, est-ce que c'est dès le Ah oui, début ça que peut être. tu peux envoyer les bundles de grenades? Les grenades qui sont pas mal, je crois, Non, pour il faut dégager être les MG. C'est VET1, VET1? je pense. Voilà. Mais Oui. bon, une fois VET1, c'est vrai que ça envoie pas mal de grenades. Ça permet de. Niveau, surtout que les backsims, il y a 6 personnes qui l'utilisent. Ça Après, fait pas mal dégâts. de combiner les grenades d'assaut avec un mortier, ça permet de justement déloger les MG et de revenir encore plus fort. Bon là, malheureusement, il a un peu de malchance au niveau de la précision du côté droit avec son mortier. Notre cher Eric. Et alors, bonne réaction hein, du côté russe concernant Defenders qui continue à poser des MG mais qui du coup vont contrer totalement les grenadiers d'assaut vu qu'ils pourront pas se rapprocher. Exactement. Du coup, il y a eu 3 MG. 3 MG de Il Defender là, ça utilise permet de bien verrouiller. le hurrah allemand. Une petite faille côté droit, mais il repositionne sa MG Defender. Voilà, Ouais, ça risque les d'être alliés qui compliqué, hein. reprennent enfin leur essence et qui arrivent à s'installer en haut. Et en bas, au final, les alliés qui push et qui capturent le fuel de l'axe. Bah écoute, chacun son tour. Eh oui. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, n'hésite pas à me dire si tu vois des bâtiments qui sont placés côté allié ou côté axe, des Oui. phases de bataille. Je suis. Pour l'instant, pas grand-chose du côté allié. Ils ont sorti les bâtiments standards avec les Russes pour sortir des MG. Au niveau de l'Oka, les deux pharmas sorties, dont une plutôt avancée. Au milieu de la map. Eric qui est parti donc grenadier d'assaut a sorti deux mortiers pour répondre à la masse de MG. Exactement. Ah, ce serait que c'est compliqué. Hein. Avec 3 MG, t'arrives quand même bien à verrouiller. Hein. Un Ouais. Taurus. Et Ah, il y a le Taurus qui vient donner un coup de main, qui va contourner tout ça. Mmh. Beau déplacement, ça arrive dans le dos. Est-ce qu'il s'est suffisamment tourné? Il va mettre les grenades. Il va devoir Bien se placé regrouper. la grenade. Ah, il arrive à tourner là une DMG. On va voir si ça va suffire pour contrer Mais une l'assaut. en tout cas, l'autre MG va se faire wipe. Le mortier qui est aussi en très très mauvaise posture qui devrait se faire wipe. Là, le Ah, flank a fait relativement mal. Hein. il a perdu quoi du coup? Une MG et un sapeur, Une je crois, c'est ça? MG et un mortier. Ah oui, le mortier et le sapeur, je pense. Parce qu'il y a plus, je vois qu'il a plus de sapeur. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais, effectivement. Et l'AMG qui est au final la dernière, qui est. Oulala. Enfin, non, Oulala. l'avant-dernière. Il y en a une qui va peut-être crever là. S'il se prend le dernier coup de flamme, ça dépend si. Ah, il faut se replier. Effectivement, c'était fou là. Aussi, nous en haut, un premier half-track flak est sorti du côté de Matrix à gauche en tant qu'Oka, mais qui s'est fait tenir en respect et qui est mid-life, qui l'oblige à reculer. Ouais, là faudra faire attention parce que les alliés ont pris les 3 étoiles, donc ça descend rapidement. Sont Sauf qu'ils sont à relativement. 500 toujours en plus, c'est vrai, les alliés là, niveau étoile. Oui, tout à fait. Et ça risque d'être compliqué avec le half-track étant donné qu'il y a un AT en face. Et c'est pour l'instant le seul véhicule sur la map. On voit les Britanniques qui tentent une percée mid, armée de sections d'infanterie d'assaut avec des Thompson.
Ouais, ça risque de faire mal, surtout que là ils sont sur la route là. Les Allemands sont sur la route. Faut faire attention. Ouais, il a back relativement tôt. Ouais, il a perdu une unité, mais ouais. Ça a dû il a préféré, je pense, appeler tout de suite quand il a vu que Matrix était sur le flanc. Est-ce qu'il y a une MG pour arrêter cette avance? Il y a une MG Brit. On va voir si ça va suffire. Oui, ça devrait suffire s'il va être sur la route. Il va passer un coup sur la route là. Ça fait suppresse les trois. Ça suppresse. Par contre, il va pouvoir avancer toujours. On va voir si ça va suffire. Ça dépend s'il a du support ou pas. Il va back son mortier. Le flak en appui. Nous avons maintenant accès à plus d'options sur le champ de bataille. Donc là, ça commence en bas. Les bundles de grenades pour dégager les MG. Mais bon, là, vu le nombre important d'MG, ça va être compliqué. Hein. Ouais, si Geoffrey qui a tenté de positionner son AT pour détruire le Half-Track Flak, mais qui risque de le perdre du coup. Ah, je sais pas. Parce si t'as que... vu en bas là, il y a du coup il y a double mortier et double lieg aussi sur, le, sur les MG. Pour essayer, ils sont mis à deux effectivement pour essayer de dégager tout ce qui est MG. Bien joué. C'est pas si... Il pourrait passer concrètement, mais c'est pas ce qu'il a pris, non. Si Geoffrey, hein, oui, mais il est de l'autre côté de la map, Defender n'a pas de mortier de 120. Ah, ça risque d'être compliqué alors. Ouais, il a choisi son commandant. Par contre, il a des HSK. Le poste stationnaire est maintenant en opération. Des SHFHK. Je vais y arriver. Bon, en tout cas, il s'est fait repousser. Du côté droit, c'est de nouveau à l'avantage de l'axe. En tout cas, c'est. Il a ouais, 9 minutes. Toujours pas de. On a quoi en Brit? On a un AEC qui est en cours. On a des soins. Camarades, nous avons installé un hôpital de campagne. Vraiment une très très bonne rentabilité du Panzerflak. Ouais. Bon, on doit faire quand même relativement attention. C'est plutôt fragile. Il y a pas mal d'AT en face. Mais c'est assez, ouais, s'il arrive à le protéger, c'est vrai que c'est très efficace, surtout qu'il peut mettre éventuellement aussi des fumigènes et faire des tirs au sol, si ça peut, ça peut l'aider. Côté gauche, on dirait que le joueur Matrix du côté Axe a laissé un peu tomber la possibilité de push. On dirait que pour l'instant, ça va se battre côté droit et mid. Ouais, ce qui est pas finalement ce qui est plutôt logique, parce que seul côté droit c'est leur côté, l'essence est la plus proche pour eux. Mmh. Donc c'est aussi une bonne idée. Ils ont réussi à repousser en tout cas les MG. Et alors, pour pouvoir reprendre l'étoile du bas. Intéressant, du coup le joueur Taurus a sorti le flag base et Matrix a sorti le half track de réparation. Ah, je sais pas si t'as vu la charge explosive en haut. On va faire attention quand il se replie, de pas qu'il passe pas devant. Ça peut faire mal. La grenade incendiaire sur le bâtiment pour forcer l'AMG à sortir. Ou je pense le que l'AMG. De grenade sur le repli. Ouais, non, il n'y a plus de. Est décédé. Je sais pas s'il a fait. Il a fait attention. J'ai l'impression qu'il a pas vu. Il a pas fait attention pour la. Pourtant, il doit l'avoir normalement. Ou l'AMG qui passe juste à côté. Ouais. Non, il l'a vu, hein. C'est juste que je sais pas, il l'a pas fait attention, je pense. Bon, du coup, ils sont sortis, ils vont pouvoir prendre l'essence des Allemands, des Alliés, pardon. Ouais, mais attention au repli, hein, parce qu'il y a un AEC qui les attend en tournant, ainsi que l'infanterie d'assaut. Oula, le Raketen n'est pas très bien, là. Non, pas bien du tout, surtout sur la route. Ah, heureusement, ça va, il a réussi à se replier pour lui. A été amélioré avec une MG42. Une grenade phosphorescent. Qu'est-ce que je dis? C'est. Phosphore, un phosphore, ouais. Ouais, tout phosphore. Hein. Et pas phosphorescent. Même si, une fois que t'es bien en feu, tu peux briller hein, la nuit. Ouais. Au final, l'axe Matrix s'en sort plutôt bien là. Hein. Il perd pas grand chose. Pas de wipe.
ça aurait pu être beaucoup plus punitif avec l'infanterie d'assaut. Attention au flak quand même, il a pas de vision. Un half-track est arrivé. L'ennemi menace un point de capture. Les salauds. La grenade se remplit. Ah, pratiquement une troupe. L'AEC qui se fait wipe par des emplacements de flak 38 qui ont été construits au milieu. Ah oui, il a montré le dos du véhicule ou même de face. Il est venu complètement, je ne sais pas trop ce qu'il cherchait parce que le flak qui est resté en haut, il est venu au mid et il s'est fait allumer comme il se doit. Ok, donc ouais, Taurus qui a réussi à mettre deux positions effectivement au milieu. Alors, je vois qu'il y a, je crois que c'est un Cromwell côté Cobalt qui va sortir. Geoffrey, c'est un T34, quoi, T34-85, il a pris choisi son commandant. Il y a un Sherman aussi à droite. Defender a sorti un M4C Sherman. Ouais. Sherman. Ouais, avec un camo plutôt visible, hein. Ça c'est aussi l'avantage, enfin le désavantage par contre des assauts, troupes d'assaut, c'est que elles sont pas mal à quoi porter, mais elles ont pas de Panzerfaust donc là. Ouais non, c'est vrai que c'est un peu comme les troupes de choc, hein. Dès que t'es à côté d'un char, t'es un peu triste. Hein. Effectivement, faut les avantages, disons, les pour et les contre pour une unité. Exactement. Donc le T-34 qui essaye de freiner la poussée allemande côté gauche. Oh, ils ont intérêt à pas rester comme ça. Oh, le tir daté, c'est bien joué. Unité de mitrailleuse lourde prête. Double raqueton. Je m'absente voilà. Un court instant pour changer la batterie de mon casque. Oui monsieur. Et voilà. Voilà. Par contre, effectivement, le manque d'AT va se faire ressentir là, avec les chars maintenant qui sont bien mobiles. Ouais. La part de l'axe. Donc on a dit un T385, un. C'est vrai que quand on regarde un peu le Sherman à droite. Un Sherman russe. Du commandant pré-bail, ça peut faire mal. Voilà, il a décidé de le suivre à la base. Il le raccompagne à la maison. Non, il le poursuit pas jusqu'au bout. Mais ça ne passe pas. Après, il pourrait encore se permettre d'avancer un peu. Enfin, non, il y a quand même deux raquettons, mais. Du coup, Taurus, pour compenser les chars, a fait deux sur une pionnière avec Panzer Shrek. Ouais. Alors un Stuka en production côté Matrix, il y a un Yak Panzer côté Taurus. Ça va permettre de combattre un peu ces chars. Ouh, le joueur tuk que je zappe, Taurus a failli se prendre sa propre grenade en faisant baquer son unité. Mais d'ailleurs il se l'est fait wipe, il s'est fait wipe deux unités la mid. Ouais, mais effectivement, quand tu te prends ta. Enfin, suivant le type de grenade, quand tu te la prends, tu fais pratiquement aucun dégât. Ah, ok. C'est comme les tirs alliés, généralement, tu te fais. Tire genre un Katusha qui tire pratiquement sur ta propre équipe. Ça dépend, si c'est un cartable ou pas. Oui, cartable, oui, parce que c'est le. Suivant l'explosion, en fait. Le type d'explosion. Ah, on peut dire ce qu'on veut, mais le half-track flak de chez Loka, c'est quand même une belle arme. Ça fait le boulot contre l'infanterie, effectivement. Après, par contre, comme tu disais, c'est faut y veiller parce que tu te prends un dégât moteur et après quelques petits tirs et puis c'est fini. Hein.
En tout cas, intéressant le poste de Derek à droite avec son half-track camouflé. Qui va permettre, je pense, ça te permet de te renforcer, on est d'accord? Alors là, c'est, il l'a passé en pose d'observation mobile, détecte les unités, permet le camouflage, arme désactivée. Je sais pas si. Bah, je pense qu'il l'a pas passé en. Il l'a pas passé flagrant, donc je pense qu'il doit toujours permettre effectivement de. De renforcer les troupes. Après, je sais pas si, si tu peux encore entrer dedans ou pas. Pour pouvoir ça, ça soigner. M'étonnerait. Je sais pas comment ils ont verrouillé. En tout cas, les étoiles se sont inversées. C'est maintenant l'axe qui va avoir les 3 étoiles, les 3 VP. Ça s'est quand même bien inversé parce que là, ils avaient quand même au début de partie pratiquement 500 jusqu'à pratiquement 400, je crois. Bon, un peu, ouais, ça avait descendu. Même un tout petit peu moins, je pense même. Donc là, ils ont bien repris là. L'ascendant, c'est bien. Ça permet d'être plus équilibré. 34. Du côté de Geoffrey. Une de nos structures avancées est attaquée. En tout cas, il y a toujours pas de tank. L'Aftrak s'est fait découvert. S'il va se faire poursuivre. Il a embarqué sa petite branche avec lui. Il est comme ça. Il ramène du bois à la maison pour faire du feu. C'est sympa. Il pense à la famille. Par contre là c'est compliqué hein, parce que là il a fini la T avec son Sherman et du coup finalement il n'y a aucune infanterie qui peut lutter contre lui. Vu qu'il a ni Panzerfaust. Bah oui, et aucun tank. Et pas de tank. Du coup, il y a le. Justement, juste quand on dit ça, il va y avoir un stup qui va sortir. Il a choisi la Stug Life. Ouais, c'est vrai que les avantages de char là. Deux Sherman, ça va être deux Sherman contre un stup finalement. Un Cromwell. Ça va être, ouais, comme tu dis, deux T-34 contre finalement un Jagdpanzer. Ouais, en sachant que le Jagdpanzer est quand même fragile. Hein. Fragile, mais il a la portée, donc s'il arrive à porter la portée, enfin à me donner la vision, pardon, pour qu'il puisse tirer, ça peut être sympa. Après, il y a les trois Raketon, hein, par contre, donc là. C'est un coup, ouais. Faut pas tomber dans le piège. Hein. Si t'avances au moment où tu mets le pied dans la mauvaise porte, ça peut faire mal. Et il y a un troisième T-34. Préparation terminée. L'ennemi met la main sur notre ravitaillement. Le Stug se fait engager par les deux Sherman. Ouais, je pense qu'il est clairement aller, hein. Pas bien parce qu'il a aucun support. Après, je sais pas s'il va foncer en espérant qu'il y a rien ou il va pas t'en prendre le risque, je sais pas. Il est sur la route donc il peut reculer assez rapidement. Non, il a préféré pas poursuivre. C'est vrai que c'est plus prudent des fois hein, quand tu sais pas. S'il suffit ta fois d'avoir une seule mine et puis tu perds tes deux chars. Hein. Il a été prudent. Un mortier wipe. Bah écoute, là il tente de pusher avec ses grenadiers d'assaut contre le Sherman, mais concrètement. Oui, là, il est tranquille, il en plus il va plus se la donner route. Des vétérans qu'autre chose. C'était, je pense, c'était plus dans le sens pour les maintenir où il les avait envoyés depuis longtemps, je pense. Il y a un bait aussi avec le Jack Panzer là qui est en hauteur, mais pas de chance, pas de wipe sur le Sherman. Voilà, faudra faire attention. Ouais, Chromaka avance, les 3 T-34 aussi qui sont derrière le bâtiment. Je sais pas s'il va vouloir tenter quelque chose. Parce que là ah ça oui, avance plus, beaucoup là, le half-track. Ouais, le half-track flak, ça avance beaucoup là. Le quartier général Flak là, il est quand même vachement avancé. Mais après, je sais pas s'il va tenter parce qu'il sait qu'il a des Raketon, donc je sais pas s'il va vouloir tenter le coup ou pas. Ça peut faire mal aussi hein, s'il perd ses chars. Hein. Ou s'il se prend des mines. Ouais, il y va. Il n'y a pas de mine en tout cas. Il fait relativement mal au quartier général. Ah, surtout que le quartier général est assez exposé hein, pour le coup, il peut tirer pas mal d'endroits. Un premier Raketon, deux Raketon, ouais, mais T4 le perdu.
Non, T-34 il va être perdu, mais je pense que là... Deux. Non, c'est bien joué là, il a fait... je pense que c'est lui qui a dû faire tir, il a fait tir sur le T-34 qui était juste derrière, et du coup il a pas pu faire la marche arrière. Donc ça c'est bien joué. Bon bah en tout cas, qu'est-ce qui est le plus rentable? Perdre deux T-34 ou perdre un quartier général flak? Je sais pas si t'as vu, il y a Taurus qui a fait un petit LEFH. Après sinon ouais, c'est le... Bon je pense que ça valait le coup hein. Après ouais, pour un ouais, je sais pas, un QG pour deux T-34, après ça dépend, est-ce qu'il peut les refaire tout de suite vu ça? Il va peut-être perdre son troisième, attention hein, mid... En tout cas là, non, il a 35 d'essence, donc là il peut pas les refaire. Hein. Donc effectivement, c'était peut-être un... Ouh. Oh là là. Pour peu, ça passait là. Hein. Ouais. Le Cromwell aussi doit faire attention. Hein. Ouh, le Cromwell, s'il ne recule pas... Ouais. Et là en plus, il y a l'infanterie qui va donner la vue. Là, j'ai l'impression qu'il a lancé les réparations, c'est pour ça qu'il peut pas bouger. Là, ouais. Cromwell. Et il le perd. Il le perd. Ah, c'est bien joué, hein. Niveau char, il y a pas mal de choses. Hein. Ouais. En bas, 2 Stug contre 3 Sherman. Une troupe de personnes de zone perdue. Ouh, un Stug a pris. Ouais, il perd un Stug. Il va perdre le deuxième. Le deuxième, effectivement. Effectivement, ça va être compliqué là. Parce que là, il a encore une fois, il a pas été. Il a pas de support forcément de son allié. C'est parce qu'ils sont occupés au-dessus et du coup, il n'y a rien contre les chars. Hein. Pas de Panzerfaust, tranquille. Hein. Il a un pack 43 là. Qui est trop là. Il est trop. En plus, il met des. Ouais. C'est bien joué là. Il y a le Defender qui met des fumis pour empêcher la vision du pack. Après, il a quand même fait des dégâts. Il a perdu DMG. Hein, il a perdu une section de mitrailleuse. J'ai quand même perdu pas mal d'MG par contre au sol, parce qu'il y en a une au sol, une deuxième, une troisième. Oula. Ouais. 4, 5, 6. Eh bah dis donc, ça en fait des MG. Ça en hein. fait hein. Maxime, il a du succès Maxime hein. Ouais. Enfin, je dis ça mais c'est pas franchement que de Maxime. Du côté de l'Oka Matrix, on a sorti le projecteur infrarouge. Pour pouvoir spot avec son artillerie et peut-être aussi avec le FH. Ah bah surtout spot aussi, je pense aussi pour les petits Rakedon qui vont se faire un plaisir de. Qui vont se faire un plaisir de dégommer des chats s'ils les voient à l'avance. Par contre en tout cas ouais comme tu dis ouais, le FH va se faire plaisir avec le l'infrarouge. Ouais il doit passer assez vite. Kachuka. Kachusha. Exactement, il a tiré, le tir était assez court, il n'y avait pas grand chose, il a pu bouger rapidement. Non. Le FH qui est bientôt VET 1 qui pourra se mettre en contre-batterie. Et qui a dégommé deux mortiers, j'ai l'impression. Ouais. Dont un de 120. Matrix qui a sorti un Puma, tiens. Au mid, nous avons deux Jack Panzer maintenant. Et Matrix qui a sorti un troisième quartier général. Mais qui ne le transforme pas pour l'instant. Alors, où sont les Rakedon? Ils sont là. Ouh, le Britannique a perdu. Bah, deux unités là, dont une unité d'infanterie d'assaut. Là commence les l'axe commence à reprendre l'ascendant quand même. Ouais, fortement même. Parce que là, il commence à avoir toutes les armes pour lutter contre eux. Pour l'instant, changement de stratégie du côté russe pour Sid Geoffrey qui ressort un deuxième Katyusha. Ouais, Katyusha T-34. La Katu, enfin le T-34 là ça va être compliqué au milieu hein, T-34. Ouais il va pas avec deux Jag Panzer hein. Qui peuvent tirer à la longue distance s'il arrive à donner la visu. Mm-hmm.
200 points. Redoublez d'efforts. Katyusha qui tire. Ah, pas mal. Ça. Ah non, juste à côté. Genre, dommage, je pensais qu'il visait un peu plus haut. Sur le côté gauche. Mais non, il tire. Il fait chou blanc. Par contre, il devra faire attention et peut-être les bouger relativement vite une fois que le FH sera avec 1. C'est-à-dire dans 1 ou 2 kills. Je sais plus si c'est après 7 ou 8 kills. Je sais pas si c'est en fonction du nombre de kills ou du nombre de dégâts, c'est pas. Je sais pas non plus. Je pense que c'est dégâts. Et une MG qui se fait de nouveau wipe par les grenadiers d'assaut de Erk sur le côté droit. Erk qui va wipe aussi un AT. Il y a deux packs 43, trois packs 40 pardon, sur le côté droit pour accueillir les Sherman. Il a bien joué encore une fois parce qu'il avait mis les, il avait mis les fumigènes pour éviter les packs. Par contre là, on va voir comment ça se passe, parce que là il y a Taurus qui vient donner un coup de main avec Saya Panzer, donc à mon avis là l'assaut va pas très bien se passer pour eux là. Parce qu'il va tourner les 3 packs, là il est sur un couloir donc il va pas pouvoir vraiment contourner je pense. Hein. Il va peut-être en... Un qui est en paire, et à mon avis le deuxième va se faire finir parce qu'il va montrer son cul au QG, donc là c'est fini. Mais il perd quand même Jack Panzer, après... Il y a un char qui peut récupérer, je sais pas si t'as vu. Ouais, qui récupère le Sherman, ça serait super drôle. Tiens, si maintenant un Doka attrape le Sherman et le répare, est-ce qu'il peut le monter V5? Tout à fait. Ah, bon, pas de chance. Il est détruit. Mais. Ils n'ont pris aucun risque. Au mid, les alliés ont réussi à reprendre le point de victoire. Du côté gauche, chacun son tour, on se tire dessus à l'artillerie. Le FH toujours pas V1. Au mid, bien joué de Matrix qui essaye d'accueillir les units qui battent. On va se prendre 3 points de fausse là. 64. Ouais, c'est. Bon, ben. On a réussi à écraser quelques unités en... avant qu'ils se replient au cas où. On reprend l'étoile du milieu pour l'axe et on prend l'étoile du bas pour l'axe aussi. On tente de contourner l'AMG. Pour ça, c'est vrai que les grenades d'assaut c'est quand même relativement fort. J'ai bien peur que la section de l'arme soit morte. Surtout quand tu les montes à 6 modèles. Ça fait quand même la différence. Taurus qui ressort le Jagdpanzer. Du côté de Matrix, le Puma qui l'a perdu, il va en ressortir à nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre côté Erek? Erek, il a sorti le Tiger. Le Tigre de l'As. Donc il va enfin avoir son char. Il va faire quand même attention parce que ça se perd assez vite quand on gride un peu trop avec. Après il est relativement à l'aise hein, quand on regarde côté droit par un Sherman, un AT avec 3 modèles, c'est-à-dire qu'avec un bon coup du Tigre il le perd. Ouais, surtout qu'il y a le FH qui pilonne la zone depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. D'ailleurs, en parlant de FH, il est V2, donc il peut l'utiliser en contre-batterie au besoin. On a un duel côté gauche entre un Puma et un T-34. Qui s'est soldé par un match nul. On a un Firefly et un Cromwell toujours au mid. Et au final, deux T-34. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt impressionnant hein, le nombre de MG du côté droit. Alors il avance avec son Tigre, Erk, mais sans vision. Rek. Rek. Rek.
Ouais. Erek. Ouais. Erek. Avant qu'il nous saute dessus. L'ennemi n'a plus que 75 points. Ouais, là, il faut que les alliés réagissent rapidement. Hein. Après, ça a l'air d'être compliqué. Hein. Côté droit, là, même avec toute la volonté du monde. Voilà, il va recommencer à se dire que là, si Geoffrey a pas mal de véhicules, je vois, mais niveau infanterie, là, ça se limite à une seule troupe d'infanterie. Si Geoffrey qui arrive à faire tomber le projecteur Alftrak, mais au prix d'un T-34. Un tir de Katyusha à bout portant. Espérons qu'il les perde pas, parce que là il y a le Yagvanzer qui va s'avancer là. Raketen qui s'avance pour Katyusha, je sais pas non. Il a arrêté juste au moment où il allait détruire le quartier général. De Sherman côté droit. Fusée éclairante chargée. Pour l'instant, il y a une espèce de mini trêve entre les deux équipes. Ouais. L'Allemagne détient désormais le Matrix qui continue à mettre la pression côté gauche. Faire attention à capturer la Matrix, c'est prendre un risque là, en capturant avec ses 3 taupes en même temps. Ouais. S'il y a des Katyusha qui tirent sur le point, ça peut faire. Pour l'instant, ils sont en attente encore 19 secondes chacun. Et le Alftrak Flak qui est bientôt 25. Exactement. Le Firefly qui tire sur le Jack Panzer qui le stun, mais ne poursuit pas l'action. Non, il a pas la vue. Pour l'instant, du côté. Ça contourne en tout cas en haut. Je sais pas si t'as vu, c'est Geoffrey qui est. Ouais. Qui contourne. Avec 734, il va peut-être essayer de se faire le flag track. Je sais pas, il y a aussi, j'avais pas vu effectivement, il y a Taurus qui a mis un pack au milieu. Pack 43, donc il doit tourner encore un peu. Il est en train de tourner. Et là, il essaye d'avoir peut-être le. Ouais, les artilleries. Ouais, non, bizarrement, il ne poursuit pas. Ouais, il a pas eu, il est en fait, il se déplace, il se déplace trop là pour pouvoir tirer. Mais là, je sais pas ce qu'il fait. Celui-là, je pense qu'il essaye de savoir. Il veut se faire un peu d'infanterie parce que là, il va les perdre. Hein, là. Ouais. Il va les perdre parce que là, ils vont forcément se prendre des Panzerfaust. Il y a les Raketen en plus à la base. Ouais, là, c'est perdu un peu bêtement le DC-34. Ça aurait été intéressant qu'il attrape le Stuka, mais non. Ouais, j'ai pas compris pourquoi quand les véhicules Stuka s'est mis un peu plus c'est reparti vers l'avant, il a pas poursuivi plutôt que enfoncer dans la base. Parce que surtout que le Stuka n'a pas été dans sa base, il a tourné à droite où il était justement très vulnérable. Je sais pas, peut-être qu'il a pas fait attention, il a poursuivi. Ouais, peut-être qu'il regardait ailleurs possible. Eric qui repousse à droite avec son tigre, aidé de Pack 40. Ouais, Sherman est en difficulté. On sent quand même que l'axe joue prudemment tout en ayant une large avantage.
Ouais, bah c'est maintenant que de toute façon quand t'as les étoiles après tu... Quand t'es... c'est moins plus serré comme ça au bout des étoiles, quand t'as 33 points au niveau allié là tu... Tu prends pas de risque, tu peux attendre. C'est aux alliés de faire des efforts là pour... Enfin à l'ennemi du coup de faire des efforts pour pouvoir capturer les points. Les tactiques défensives en clume ont énormément amélioré notre position. Je sais pas où il a tiré X en tout cas. En tout cas, il a perdu un Katyusha. Mais je sais pas où. C'était en bas. J'ai pas vu un... C'était en bas le tir de Stuka. Pour enlever le, la T et les MG. Il nous reste 25 points. Ah, ça va être compliqué. Là, les Allemands qui ont pris les, qui vont prendre la troisième point de victoire. Là, c'est les points vont défiler rapidement. Que... Ouais, je pense que la game est gagnée pour certains et perdue pour d'autres. Je sais pas si on voit, en plus l'alignement là. AT, Jagdpanzer, AT, Tiger, AT. Là, c'est la ligne, la ligne Siegfried. Mais une partie où au début on aurait pensé que l'axe était dans la tourmente et au final ils se sont bien ressaisis. Hein. Ils ont réussi finalement, enfin les alliés ont très bien joué au début, s'ils ont réussi à le priver d'essence et à prendre des VP, les points de VP assez rapidement. Et puis les Allemands ont mis beaucoup de temps à sortir des véhicules. Mais une fois qu'ils ont sorti, c'est là où je pense où ça a eu un petit peu le, il y a eu le tournant quand ils ont commencé à sortir les véhicules et les et l'artillerie, les l'artillerie, les LEFH, tout ça, ça a commencé à changer en fait. Et je veux dire que même sans tank, ils ont réussi à tenir bien un par bon en bas où Eric a eu un peu du mal contre les Sherman avec ses grenadiers d'assaut, ce qui est un peu logique. Mais sinon, ça s'est relativement bien passé sans tank. Et une fois qu'ils en ont sorti, ben là, ils ont eu du répondant. Et je pense que en bas, une fois que les Sherman se sont fait détruire là avec les Jagdpanzer et les PAK 40, une fois que le Tigre est arrivé avec un seul Sherman, tu peux pas trop contester un point quoi. Exactement. En tout cas, fait une bonne partie. Pas mal de beaux mouvements des deux côtés. Et puis du coup c'est la victoire des Cassos. Hein, c'est le nom de l'équipe. Hein, on est en train d'insulter personne. Du coup, sur cette partie 3v3, on va faire un petit tour dans les statistiques pour voir ce que ça donne. Il a un peu de mal, hein. Et ouais. Effectivement. Alors, les stats, qu'est-ce que ça donne? Des stats assez intéressantes. Pas mal Cobalt, qui a pas mal d'unités tuées par rapport aux unités perdues. Sinon, on a quoi? Nombre de points assez. Des deux côtés, à peu près le même nombre de points pris. Et après, par contre, ouais, effectivement, Matrix et Taurus qui s'en sortent mieux au niveau des dégâts infligés. Surtout, ouais, je pense que ça doit être au niveau des véhicules. Ils ont fait plus de dégâts au niveau des véhicules. Matrix qui s'est très bien débrouillé sur son côté. Hein. Ouais. Déjà, au début, il s'est. Il s'est montré, hein, il a réussi à push assez loin. Et il a tenu bon. Bah écoutez. Très bien. Je montre un peu les statistiques différentes. Et après. Suivant les personnes. Eric.
Taurus. Les statistiques qu'on voit. Raketen, tu vois les Raketen qui ont fait 15 000 de dégâts. Ouais. On peut dire que c'est plus que rentable. Volksgrenadier qui ont quand même fait ils ont fait 2 000 de dégâts contre les véhicules. C'est juste les Panzerfaust, je pense, effectivement. On nous demande combien de MG. Ah, le nombre d'MG. Alors. Donc c'était Defenders. Ouais. Alors, nombre d'MG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En tout cas, là, il y en a pas mal. Hein. Ouais, on parle sur une petite vingtaine. Alors, voyons maintenant si j'avais eu bon. Alors, déjà jusqu'à. Ok. Et là, 16. Non, 16. J'en ai loupé. J'en ai loupé. Il y en avait 16 MG. Plus l'autre, donc 17. 17 au total. Eh ben. Mais force est de croire qu'au début. Enfin, même, il a quand même bien tenu. Le bas, il a tenu assez longtemps. Hein. Donc, en tout cas, au début, ça a bien fonctionné. Hein. Donc, pourquoi pas, hein, après. Si ça bénéficie à l'équipe. Très bien. Bah écoutez, parfait. On va arrêter du coup ce cast ici. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Bonne soirée à tous.